Bonjour, bienvenue pour cette petite information sur le nouveau Socolor et Socolor Sync Pre-Bonded. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va discuter ensemble, je vais vous présenter toute la nouveauté concernant nos deux catalogues principaux et vous informer sur les changements. Alors, voyons cela ensemble. Alors, Socolor Beauty, vous connaissez déjà et Color Sync aussi. Eh bien, ils vont être relookés. Nous allons avoir un nouveau Socolor Beauty qui devient Socolor. On le voit ici avec un nouveau packaging. Et on va avoir Color Sync qui devient Socolor Sync. Concrètement, le packaging va changer. La première wave de ce pack qui va changer va concerner la collection Blended Collection, donc les naturels. Et on aura aussi de nouvelles nuances que vous allez découvrir avec moi aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que le packaging qui va changer, il y a aussi une toute nouvelle technologie. Alors, la première, c'est Pre-Bonded, que l'on va voir qui va vraiment être un fortifiant pour cheveux, Pre-Blended et Prepare. On va découvrir cela ensemble. Alors, Pre-Bonded, c'est quoi? Un bonder, vous savez tous ce que c'est. C'est quelque chose qui va, c'est une technologie qui va en fait protéger les ponts et renforcer les ponts pendant l'action de la couleur. Il faut savoir que nous sommes les premiers à l'avoir sur le marché au niveau de tous nos catalogues Socolor et Socolor Sync. Donc, c'est vraiment quelque chose, une avancée technologique. On va pouvoir, couleur après couleur, renforcer le cheveu. Première technologie. Deuxième, Pre-Blended. Blended, en fait, c'est l'action d'un blender. Donc, on va en fait avoir dans chaque nuance de la collection Pre-Blended, on va avoir un pigment qui va corriger le fond d'éclaircissement sous-jacent qui peut nous embêter au résultat final. Donc, quand vous choisissez une nuance avec votre cliente, certaines nuances sont plutôt froides, mocha, et on sait qu'un fond d'éclaircissement qui est sous-jacent peut modifier le résultat de cette couleur. Et donc, dans notre collection Blended, nous avons dans chaque nuance, nous avons alors un pigment qui corrige le fond d'éclaircissement qui peut être à ce moment-là embêtant pour le résultat de notre couleur. Ensuite, Prepare. Prepare, c'est vraiment le fait de travailler Socolor lorsque c'est nécessaire, bien entendu, en racine. Alors, on va le travailler soit parce qu'on a besoin d'une couverture de cheveux blancs, qu'on a besoin d'éclaircir jusqu'aux 3 tons. Donc, à ce moment-là, on va travailler avec Socolor. Mais dès que l'on parle de raviver, apporter une nuance aux longueurs, on va se diriger vers notre ton sur ton, Socolor Sync qui va injecter de la couleur et vraiment donner une puissance de couleur qui va tenir au fil des semaines. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de travailler avec notre Socolor Sync pour allonger toutes nos couleurs que l'on travaille avec Socolor. Alors, donc c'est vraiment avec ces 3 nouvelles technologies, vous allez vraiment colorer en toute confiance vos clients. Vous n'aurez plus qu'à vous tracasser, je dirais, de votre diagnostic et du bon choix de la formule. Alors, à cela s'ajoutent 9 nouvelles nuances que vous découvrez à l'instant, donc en Socolor et en Socolor Sync, bien sûr, puisqu'on va toujours combiner les deux catalogues. Vous pouvez constater que par rapport à Socolor, Socolor Sync sort toujours avec un ton plus clair. Pourquoi? Parce qu'on sait que Socolor Sync est assez puissant en injection de couleur. Et donc, ça veut dire que si on est puissant et qu'on colore en intensité, on risque d'être foncé si on travaille à même hauteur de ton. Et c'est pour ça que chaque nuance qui sort en Socolor Sync est toujours un ton plus clair pour avoir une couleur beaucoup plus esthétique.
Alors, ce color se travaille bien entendu toujours avec nos oxydants, hein, 10, 20, 30 volumes. Et color, ce color sync, vous allez voir qu'on a une petite modification qui va se faire progressivement. Et nous, on va travailler ce nouveau catalogue avec le 10 volumes que vous connaissez déjà. Alors, on peut voir que ce sont des reflets quand même assez froids. On a des NJ, des NA et des NV. Donc, qui dit froid, dit nuances plus foncées aussi. Attention aussi à cela quand vous réalisez votre diagnostic. Donc, on sait que des nuances froides, ben, sont là évidemment pour corriger des reflets indésirables. Par exemple, le jade, c'est un pigment vert qui va donc corriger tout ce qui est reflet rouge. Le H, donc le cendré, est un pigment bleu qui, lui, va avoir une action sur le pigment orangé, donc le fond d'éclaircissement orangé, où on veut vraiment se débarrasser de ces couleurs trop chaudes. Et ensuite, on a le NV, qui est là évidemment pour corriger les reflets jaunes dorés qui ressortent, mais aussi pour apporter ce côté naturellement violet, donc assez poudré, comme ça, assez sympa comme reflet. En tout cas, nos artistes l'ont en tout cas fort apprécié lors de la découverte de ces nouvelles nuances. Alors, donc, je vous dis des nuances correctrices, donc bien entendu, attention, un peu plus froide, comme je l'ai déjà précisé, et un peu plus foncé d'office. Voilà l'ensemble de la première wave. Donc, on va évidemment inclure les nouveautés, mais aussi nos naturels. Les naturels que vous connaissez déjà, les naturels warm aussi, qui sont considérés évidemment comme base, comme fondamentale. Et la même chose en So Color Sync. Vous pouvez voir sur ce slide toutes les nuances qui vont être dans le nouveau packaging et surtout avec cette nouvelle technologie pré-bonded. Alors, vous allez peut-être me poser la question, mais comment cela va se passer avec nos anciennes technologies? Ils sont tout à fait compatibles avec les nouvelles que vous allez bientôt recevoir en salon. Donc, pas de souci, vous pourrez les mélanger. Et au fur et à mesure de l'année, vous allez avoir arrivé les nouveaux packagings pour les différentes nuances de notre catalogue. Bien sûr, vous serez informés par nous-mêmes et par votre sales consultant. Alors, bonne nouvelle, pour vous renseigner encore plus sur cette nouveauté, vous pouvez vous rendre sur Access et vous inscrire à des webinaires que moi et Chanel donnons pour vous expliquer vraiment en long et en large la nouveauté, revenir vraiment sur la bonne utilisation des produits. Donc, je vous invite à vous rendre sur l'orealaccess.com, de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait et alors de vous inscrire à des webinaires concernant la nouveauté. Vous avez le So Color 101 qui concerne toute la gamme So Color et So Color Sync 101 qui concerne aussi toute la gamme So Color Sync. Donc, on rentrera dans les détails à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre pour ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. À bientôt. Merci.